Requisito necesario. Muy bien, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Ante todo, quisiéramos agradecer al Instituto Francés por su. Bueno, toda la, cómo se ocupó de encontrar el lugar y cómo hizo toda la logística que ustedes pueden apreciar el día de hoy en este lugar maravilloso en el que estamos. Por supuesto, la Alianza Francesa, que es quien provee el lugar en el que estamos. Esta semana aprovechamos esta circunstancia de la semana de la, o los 10 días ahora de la semana de la francofonía para concentrarnos en cómo el espacio francófono fue víctima y de violencia religiosa. Aprovechamos entonces la visita de los tres profesores, Denis Crouset, Philippe Desson y Nicolas Nabou, especialistas los tres en historia del siglo XVI específicamente. Y, por supuesto, de las circunstancias de la violencia religiosa y de historia intelectual en general. Muy bien, el formato va a ser una, llamamos una table ronde, es decir, cada profesor va a presentar su tema, su conferencia, y después quedará abierto un espacio para preguntas, que va a dar la posibilidad de que ellos se expresen con un poco más de libertad y respondiendo a cada inquietud particular que sea planteada por ustedes. Va a comenzar el profesor Denis Crouset, es el profesor de la Université Paris-Sorbonne, director del Centre Roland-Mesmier, uno de los laboratorios más importantes hoy de estudios sobre la historia moderna. Ha escrito innumerables obras, entre las cuales tres más importantes tenemos Les Gardeurs de Dieu, de 1990, que todavía es un libro que ha sido muy difícil de superar en su método, en sus conclusiones. Ha escrito también un libro muy importante sobre la masacre de Saint-Barthélemy, que el cual van a escuchar mucho en las presentaciones, por supuesto por motivos obvios. Se ha concentrado sobre todo en el contexto apocalíptico de la época, y en sus últimos trabajos han tenido que ver, muy recientemente ha publicado una biografía sobre Carlos V, pero en lo que nos concentra el día de hoy, también ha publicado en el año 2015 un libro con el profesor Jean-Marie Legal sobre la guerra de religión en la edad moderna y en nuestros tiempos. Y le doy entonces la palabra al profesor Denis Crouset. Merci beaucoup, Francesco. Je voudrais remercier l'Alliance française et l'Institut français de nous avoir tous trois invités à vous parler. Donc, mon sujet est Dieu en guerre au temps des guerres de religion, catholiques et protestants, ou plutôt catholiques contre protestants. Alors, chaque faction, dans le temps de ces guerres de religion du XVIe siècle, qui durent de 1560 à 1598, s'est créée une symbolique spécifique afin de placer ses victimes dans ce qui était imaginé une attente ou un désir de Dieu qui était un désir de violence. Il y eut ce qu'on a peut appeler un travail des acteurs du conflit, protestants et catholiques, pour projeter dans des scènes le moment même des violences, dans le moment même des violences, la nécessité de participation à une guerre qui était censée être voulue par Dieu et qui faisait donc des guerriers de Dieu. Gracias a todos por su presencia y gracias a la Alianza Francesa por recibirnos. La temática que va a hablar hoy es su sujeto, es Dios en guerra, guerra de religión, católicos y protestantes. Durante las guerras de religión del 1560 al 1598, cada campo tuvo que crear su simbólica particular a fines de justificar sus violencias por el mandato divino. Dios esperaba esta violencia. Los actores del conflicto se esforzaron para desmultiplicar las representaciones simbólicas de la legitimidad de su violencia. Están cumpliendo la voluntad divina, son guerreros divinos. Merci. Alors, je vais commencer par expliquer ce qu'étaient ces violences catholiques du temps des guerres de religion, surtout dans les deux premières décennies. À partir de l'année 1560,
les récits montrent que des scènes macabres se répètent partout. Tantôt, les agressions catholiques, toujours collectives, peuvent viser un individu seul dans la foule. C'est le cas de cet homme en Provence qui est tué et ensuite ses entrailles sont arrachées de son ventre, traînées par la ville, jetées dans les fossés, donc hors de la ville, en un lieu puant et infect, dit le texte. Puis son cœur et son foie sont emmanchés dans des bâtons et portés en triomphe dans la ville. Tantôt, à l'occasion soit de la prise d'une ville par une armée, soit d'une action d'éradication préméditée, les protestants sont massacrés alors en un nombre variable, 5, 10, 20, plus de 100 comme à Tours en 1562, plusieurs centaines, 3000 dans le Paris du mois d'août 1572 de la Saint-Barthélemy. Et ces corps demeurent exposés, souvent ensuite, au regard de leurs co-religionnaires demeurés vivants. La disponibilité collective à cette violence collective et à la guerre de religion s'explique. La religion catholique, dans toutes ses expressions du milieu du siècle, apparaît comme un immense appel à la destruction de ce que les catholiques nomment l'hérésie, apparaît comme une œuvre de justice qui est proclamée, voulue par Dieu. Les cadavres, donc, parcourent les villes, subissant des mutilations en des lieux choisis, par exemple le lieu où avaient lieu les exécutions capitales par la justice. Il s'agit, pour les violents, soldats et civils unis comme lors du massacre de Sens de 1562 ou celui de la Saint-Barthélemy de 1572, de resacraliser l'espace, d'expulser ce qui est imaginé être une impureté et de rapprocher le peuple, le bon peuple, de ce Dieu de justice qui ne tolère pas d'infidélité. Il est alors étonnant que lors du massacre de la Saint-Barthélemy parisienne, au petit matin du dimanche 24 août vers 7h, parallèlement aux violences que les meurtriers activent et qui rougissent le pavé du sang des protestants, se produit dans le cœur de la ville, dans le cimetière des Saints Innocents, un miracle christique, le refleurissement à contre-saison d'une aubépine desséchée depuis 3 ans, dont les feuilles sont vues perlant de gouttes de sang dans une sorte de grande illusion collective. Cette grande illusion fait le peuple présent, fait le Fils de Dieu présent dans Paris aux yeux de son peuple, réconcilié avec son peuple parce que ce peuple est en train de tuer ses ennemis et d'obéir à ses commandements qui sont qu'un chrétien ne doit pas tolérer un ennemi de Dieu. Et simultanément, il est raconté qu'un grand vent soufflait sur la capitale et l'imaginaire fit dire que l'archange Saint-Michel battait des ailes de joie dans l'air au-dessus de la capitale. Le massacre, donc, dans le cours de Dieu, dans le cours duquel Dieu est pensé être avec les tueurs, les guider, les encadrer et leur dire qu'il faut qu'ils continuent toujours jusqu'à ce qu'il ne reste plus un protestant. En el comienzo de la guerra, de la primera guerra de religión, las dos primeras décadas del 1560 al 1580, los episodios violentos se multiplican. A veces esta violencia se dirige hacia un solo individuo protestante, víctima de la agresión de la multitud católica, cual odio no se puede contener, como en este ejemplo de la matanza de un hombre en Provence, ni siquiera la muerte de su víctima, su cadáver, puede parar su odio, el cadáver sufre actos inhumanos y crueles, indescriptibles. Entre otras cosas tan bárbaras, le sacaron los intestinos, se los llevaron por toda la ciudad para tirarles en el lugar el más repugnante posible. A veces masacran los hugonotes en cantidad variable, 1, 5, 10, 20, más de 100, unas centenas y luego 3.000 en París en agosto de 1572. Los cadáveres suelen quedar exhibidos delante sus correligionarios, soldados, y civiles son actores de estas violencias y ofician juntos a menudo, por ejemplo durante la matanza de Sens o de San Bartolomé. Esta disposición colectiva a la violencia y a la guerra de religión se explica. A lo largo del siglo XVI, la religión de Roma no termina de llamar a la destrucción de lo que llaman herejía a cumplir la supuesta justicia de Dios.
Así, durante simulacros de procesiones, pasan por lugares significantes de la ciudad donde paran y mutilan a los cadáveres. Por el medio del cuerpo del enemigo tratan de devolver su carácter sagrado al espacio, expulsando lo impuro, expresando su adhesión, la adhesión del pueblo, a la justicia escatológica. Y no nos sorprende entonces este relato del milagro que ocurrió en París a la mañana del domingo 24 de agosto de 1572, día de la San Bartolomé. En paralelo a los asesinatos que enrojecen las calles de París de la sangre protestante, en el cementerio de los Santos Inocentes florece un espino por primera vez en 3 años y aparece con gotas de sangre en sus hojas. El Hijo de Dios, presente en París, se reconcilia con su pueblo por verle matar a sus enemigos. También, en esta gran ilusión popular, dijeron que las alas alegres del Arcángel San Miguel había sido el origen del viento que sopló tanto aquella mañana en la capital. En el masacre, Dios se une a los matadores, les guía y les anima a seguir matando hasta el último protestante. La violencia era también elementaria de una cultura de la angustia, de la obsesión de la ira divina. Donc, cette violence est la traduction d'une culture de l'angoisse, de la colère de Dieu. Il y a une obsession de la colère de Dieu que l'on trouve dans les prédicateurs d'avant les guerres de religion et du temps des guerres de religion, comme ce François le Picard qui affirmait que les signes dont Dieu a dit qu'ils seront avant-coureurs de sa venue, c'est-à-dire du jugement dernier, sont présents dans le monde. Ces signes, ce sont l'athéisme, l'apostasie, l'antéchrist qui se fait adorer comme Dieu, et puis, évidemment, l'hérésie. Que dit François le Picard? Eh bien, il proclamait, je cite, « Nous pouvons bien voir combien le jour du jugement s'approche, car malice abonde plus que jamais. Il semble qu'il n'y a point de Dieu comme nous vivons. » Parallèlement, toute une intelligentsia de clercs utilise l'imprimé pour enseigner qu'il ne peut y avoir de salut que dans la mise à mort des réformés et que seront sauvés ceux qui tueront. Dans de multiples libelles, le prêtre Ardus Désiré redit et dit que la présence des hérétiques est un signe de la fin des temps. Seul l'amendement, c'est-à-dire la prière, la pénitence, peut sauver de la damnation le peuple de Dieu. La violence est nécessaire et elle est dite une obligation de chacun, car c'est par elle que les fidèles retrouveront l'alliance avec ce Dieu qui est outragé tous les jours par la présence de ses protestants parmi son peuple. La guerre comme l'agression sont justes alors, implacablement justes, parce que le meurtre de l'hérétique est une justification de la créature faite par Dieu à son image. Se nota una obsesión por la ira de Dios. Así, los predicadores no paraban de animar al pueblo a actuar esta violencia. Por ejemplo, François Picard, importante predicador parisino de las décadas 1530-1550, afirmaba que los señales anunciando su castigo ya habían tomado lugar en el mundo terrestre. Ateísmo, apostasía, adoración del anticristo. Podemos constatar, decía, que el día del juicio final se acerca, ya que el mundo se llenó de malicia. Por cómo vivimos, podría parecer que no hay Dios. La predicación del Jacobino Divolé durante el cuaresma del 1561, en un contexto de tensión creciendo, desarrolla este mismo argumento. Los calvinistas son la señal, el signo, de que el reino de Francia sufre la maldición de Dios, y un tiempo de violencias inéditas está por llegar. Profetiza a Francia su ruina y su desolación, y la llama miserable y de Dios maldecida en varios sermones. En paralelo, se aprovecha de la impresión mecánica, para enseñar que el saludo está en la muerte de los reformados. En numerosas libelas, el prior Ardus Désiré no termina de repetir que la existencia de los heréticos es la señal, el signo cierto, del fin de los tiempos. El pueblo, que por sus pecados rompió su vínculo con Dios, tiene que cambiar para no ser damnado. La liberación que se hará por la violencia, hecha violencia divina, y a través de ella, los fieles podrán ser formar parte de los afortunados en el día del juicio final.
guerras y agresiones son justas porque matar al herético es justificar a la auténtica criatura hecha a la imagen de Dios. Donc, il faut la guerre, exige Dieu, le massacre le plus sanglant possible pour que Dieu se remette d'aimer d'amour les hommes, pour qu'il oublie que parmi son peuple, certains ont été infidèles et l'ont offensé, ces protestants. Alors, le corps de l'hérétique est imaginé comme cachant une abomination qui doit d'urgence être abolie par les fidèles de Dieu. Ne pas lutter, est-il sans cesse répété par les clercs, contre ceux qui sont représentés comme immondes, c'est s'abandonner soi-même à l'infidélité. La violence collective est donc acte de foi, guerre sainte. Elle théâtralise alors, chez l'hérétique, le fait qu'il a vécu avec son corps et non pas qu'il a aimé Dieu spirituellement. Dès l'affaire de la rue Saint-Jacques en 1557, quand on découvre dans Paris 400 hommes en train de chanter les psaumes et donc qui sont des réformés, les femmes qui sont arrêtées sont traitées de putains par la foule catholique. Puis il s'agit donc de montrer que ceux qui sont dans l'autre religion vivent par leur corps, dans la lubricité, puisque ils se sont donnés à l'amour d'un autre Dieu qui n'est pas le vrai Dieu. Des mises en scène existent et qui visent à construire des tableaux macabres qui disent la prophétie accomplie de l'apparition des hypocrites dissimulant les hommes de chair. En Orange, 1562, les cadavres des femmes massacrées sont exposés nus. On leur met des cornes de bœuf ou des pierres ou de petits pieux, dit le narrateur, dans les endroits que la pudeur ne peut nommer. Il y a aussi des rituels qui évoquent cette débauche qui a poussé l'homme ou la femme vers l'hérésie, comme celui consistant à étendre des corps nus enlacés dans des positions évocatrices ou embrassant des pourceaux morts. Il y a aussi le rituel de l'exhibition des entrailles au bout d'une pique, puisque les entrailles sont censées être le siège des pulsions charnelles, le lieu où le démon habite la créature et l'éloigne définitivement de Dieu. Para que Dios quiera de vuelta al hombre y se olvide de su ofensa, se requiere la guerra la más sangrienta posible. Aquellos que se separaron de la iglesia y adoran a un nuevo Baal encarnan la profecía bíblica siguiente. Algunos llegarán escondidos bajo pieles de oveja, pero serán lobos. Se opone a una aparente adoración de Dios la auténtica lubricidad que los herreguenos desarrollarían en el secreto de sus conventículos. El cuerpo del herregueno esconde una abominación que los fieles deben a todo costo abolir para no ser dañados con ellos. El clero no deja de repetirlo, no luchar sería entregarse a la corrupción. La violencia colectiva es un acto de fe, la guerra santa teatraliza el acto de revelar la lubricidad del herregueno. Por ejemplo, en el 1557, cuando descubren en París un conventículo calvinista en la calle Saint-Jacques, las mujeres arrastradas reciben los insultos de la multitud católica. Se trata de mostrar que viven como hipócritas, disimulando su pecado, y se ilustra en episodios espectaculares. En Orange, en el 1562, exponen desnudos los cadáveres de las mujeres masacradas después de haberles introducido cuernas de buey, piedras o estacas en lugares que el pudor no permite nombrar, cuenta el narrador. Otros rituales consisten en reproducir la imagen de la depravación que les llevó a la herejía. Por ejemplo, abrazar los cuerpos de mujeres y hombres desnudos o hacerles abrazar puercos muertos. También se exponen sus entrañas a la punta de una pica, entrañas que son el asiento supuesto de las pulsiones carnales, el lugar del demonio, el lugar a partir del cual alejó el hombre de Dios. Donc la présence des calvinistes, des hérétiques, est perçue comme une pollution, une maladie qui risque de faire mourir l'ensemble du corps social si cette présence n'est pas soignée par des moyens chirurgicaux, et ces moyens sont l'ablation. Mais elle est perçue aussi comme une atteinte à la dimension sacrale d'un espace civique qui a été profané, altéré, contaminé. Les violences que subissent les corps huguenots visent alors à restituer son intégrité au corps social,
à restituer sa pureté et sa plénitude à l'espace de vie. D'où des rituels qui laissent parfois les quatre éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau, exercer une forme symbolique de vengeance sur les corps. C'est le corps émasculé et décapité de la marale de Coligny en 1572, traîné d'abord par des petits-enfants à travers la cité par les boues, jeté sur un feu temporairement à un carrefour, puis abandonné à moitié plongé dans les eaux de la Seine, et enfin pendu par les pieds au gibet de Montfaucon. La presencia de los heréticos peregrinos en la ciudad se percibe como una polución, una enfermedad que podría matar al cuerpo entero si no la curan por ablación. Pero también se vive como una alteración de la dimensión sagral del lugar profanado por ellos. La violencia sobre los cuerpos hugonotes tiende a restituir su integridad al cuerpo social, devolviéndole su pobreza y plenitud al espacio. De ahí los rituales ejerciendo una venganza simbólica por el fuego, el aire, la tierra o el agua. De eso se trata, por ejemplo, en el caso del cuerpo emasculado y decapitado del almirante Coligny en el 1572, arrastrado por niños en las calles, primero tirado al fuego en un cruce, luego abandonado semi-sumergido en las aguas del Seno y por fin colgado de los pies en un foco. Cette violence pure, puisque obéissant à Dieu, ne s'arrête pas là, elle défigure, pour désigner implacablement les hérétiques, comme ceux dont Dieu a prédit qu'ils se sépareront de lui par désir de satisfaire leur corps et que par là, ils ne sont plus des êtres à son image. Ce n'est pas un hasard si au cours des massacres, les cadavres des protestants sont rituellement traînés par les boues, laissés sur des fumiers, jetés à la voirie, sont ainsi recouverts d'ordures, défigurés, déshumanisés. Ils n'ont par là même plus rien de commun avec la créature faite par Dieu à son image. Ils sont pourriture et immondices parce qu'ils ont commis l'adultère spirituel avec Satan. Aussi, multiples coups qui martèlent les corps morts et qui finissent par faire du visage une bouillie qui n'a plus rien d'humain. La conscience qui programme cette gestuelle de violence est encore valorisée par des rituels d'animalisation qui actualisent les paroles christiques annonçant qu'au dernier temps, dans le but de détruire l'Église, les loups se déguiseront en brebis et que donc l'animalisation décape sous l'apparence de l'enveloppe corporelle commune à chaque homme, la vérité d'un corps bestial. Alors, récurrents sont les textes qui racontent comment les catholiques tuent leurs victimes, entre guillemets, comme des bêtes, sont les petits-enfants de Provins, attachant une corde au pied d'un hérétique mort et le tirant de carrefour en carrefour par les rues de la ville, comme on fait d'une bête morte, d'un être sans âme, puisqu'en se détournant de Dieu, l'homme a tué son âme et l'a mise à mort en la livrant à la mort éternelle. Esta violencia pura, pura porque mandada por Dios, también desfigura. Desfigura para designar implacablemente a los heregrinos como los que se separaron de Dios. No es casualidad si en las matanzas los cadáveres de los hugonotes se arrastran por el barro, se tiran al estiércol, se visten de basuras, se desfiguran o se deshumanizan. Declaran así que perdieron su humanidad, perdiendo su alma. Ya no son parecidos al humano, ya no son los que Dios designó según su propia imagen. Son inmundicia por su adulterio espiritual con Satán. Y la violencia, bajo la mirada de Dios, revela su verdad inmunda. Vemos este mismo proceso de deshumanización ocurrir cuando golpean sin parar los cadáveres, haciendo irreconocible el cuerpo humano, marcan la separación de los protestantes con Dios, y cada golpe denota la aspiración colectiva a participar de una venganza profética, a entrar en el gesto de la ira divina. La multitud asoma a las víctimas hasta que pierdan su aspecto humano. Rituales de animalización actualizan las palabras del Cristo cuando decía que en los últimos tiempos, para destruir a la Iglesia, los lobos, corrompidos como bestias brutas, se disfrazarán de ovejas. Se trataba de revelar que los heregrinos eran estos seres falsos, cuerpos bestiales. Muchos textos cuentan que los católicos trataban a sus víctimas como animales, por ejemplo, cuando los niños de Provins arrastran a un heregrino por una cuerda atada a sus pies, como se hace con un animal muerto, un ser sin alma.
ya que la perdió al desviarse del camino de Dios. Entregarse al pecado y a la muerte eterna que lleva es equivalente a haber matado su alma. Pensamos también en las casas de hugonotes que se organizaron. À côté de cette déshumanisation et de cette animalisation dont je viens de parler, une autre expression de la violence est celle qui infernalise le corps de l'hérétique en inscrivant sur lui des marques qui rappellent les peines que les diables en enfer lui feront subir pour l'éternité. Les massacreurs ainsi mutilent très souvent les visages des massacrés en arrachant les yeux, en sectionnant le nez et les lèvres, en coupant les oreilles, comme s'il s'agissait d'anticiper sur terre avant la mort les peines de l'enfer pour que celles-ci se déclenchent ensuite. On sait très bien qu'il y a des représentations de l'enfer montrant des crapauds en train de manger les excroissances du visage pour l'éternité. Parallèlement, il y a une manière de faire mourir l'homme par où il a péché. Le corps du supplicié devient le lieu qui prophétise le châtiment que Dieu a voulu que ses ennemis endurent dans les profondeurs infernales. Ainsi, dans les représentations traditionnelles de l'enfer, les friandises et les mets recherchés par les gourmands et les luxurieux se transmuent en fiel, venin et amertume, disent les textes. Or, le huguenot, le protestant, est accusé par la propagande catholique de refuser le jeûne uniquement parce qu'il est gourmand. Et peut-être le supplice subi par un drapier d'Orléans en 1572 théâtralise la mort infernale à laquelle il va être condamné pour l'éternité pour avoir mangé chair en carême. Il est attaché à un poteau, on le force à dévorer de l'excrément humain avant qu'il soit massacré. Donc, il mange l'abominable. Además de la deshumanización y de la animalización, otra forma de violencia podría ser llamada infernalización del cuerpo del hereno. Consiste en inscribir en su piel marcas que recuerdan las penas que inflige para siempre el diablo del infierno. En el teatro de la crueldad católica es impactante la frecuencia de las mutilaciones. Arrancan los ojos, seccionan la nariz y los labios, cortan las orejas. La muerte del hereno anticipa hacia el infierno. Sabemos bien que textos describen torturas infernales implicando a serpientes y sapos que se comían las manos, la nariz, los ojos, las orejas de los damnados. Al reproducirles, o más bien al anticiparles, actores y víctimas de la agresión se hacen participantes del juicio inexorable de Dios. En paralelo de esta máscara de horror infernal puesta sobre el hereno, se mata al hombre por donde ha pecado. El cuerpo supliciado profetiza y enseña el castigo que Dios le promete en el infierno. Así, en las representaciones tradicionales del infierno, las golosinas y manjares se vuelven veneno amargo. Ya que la propaganda católica acusa al protestante de rehusar el ayuno solamente para satisfacer a su gula, el suplicio que sufrió un joven hugonote en Orléans en el 1572 parece teatralizar esta muerte infernal e eternal que le espera por haber comido carne en el cuaresma. Atado a un poste, se ve forzado a comer excrementos humanos hasta ser masacrado. Parecido es el caso de esos cadáveres cuyas bocas se llenan de hojas de la Biblia, condenación por haberse comido al Evangelio, según los predicadores, sin tomar en cuenta la doctrina auténtica y las tradiciones de los padres de la Iglesia. En estos mismos, los violentos católicos le gritan: disfrutaron tanto de estos libros, ahora comenlos como les guste. También les llevan al infierno abandonándoles a los perros, evocando a los perros que esperaban los reprobados en una visión de Robert Leroy en el 1560. Donc, pour conclure sur cette violence catholique, ce que j'ai cherché à montrer, c'est que le disciple de Calvin, le protestant, est censé vénérer un dieu qui n'est qu'une illusion diabolique. Il est habité par ce dieu qui est un diable, et il faut de toute urgence tuer le corps de ce protestant parce qu'il peut contaminer l'ensemble de la société. Tuer n'est donc pas péché, répètent les prédicateurs. C'est au contraire aimer Dieu, aller au-devant d'une attente de Dieu. Chaque corps huguenot est pensé habité par le diable, une idole qu'il faut briser, écraser,
Et être hérétique, c'est se déplacer de l'humain vers le non-humain. Et donc la violence n'est pas culpabilité. Au contraire, elle fait que le catholique rencontre Dieu, devient le bras de Dieu, acquiert une sainteté personnelle. Si realmente queremos entender los mecanismos de esta pulsión de agresión de la guerra contra el hereno, tenemos que acordarnos de aquella cultura específica que veía como infernal a quien vivía en la diferencia, en la diferencia religiosa. En los discursos de los predicadores, el hugonote no se puede considerar como un ser igual a los demás, sino solamente como un cuerpo ya sin alma, y hay que tratarle como tal sin ninguna piedad. El discípulo de Calvin, por venerar a un dios que se decía una ilusión diabólica, pertenecía al diablo. Lleva adentro suyo un idilo, una gran estatua de oro, plata, hierro y ladrillo, invención del cerebro humano. No es más que el simulacro de los seres creados por Dios a su imagen, y matarles no es pecado, sino anticipación de un deseo divino. Cada cuerpo hugonote se piensa como un ídolo que romper, aplastar, quebrar. Ser hereno es haberse desplazado desde lo humano hacia lo no humano. Es llamar inmediatamente sobre sí el castigo que el pueblo ejecuta en nombre de Dios. Merci beaucoup. Alors, je vais passer maintenant aux violences protestantes. Ces violences peuvent s'interpréter très différemment. Ce sont des violences non pas de possession par Dieu, mais de la raison, planifiées méthodiquement afin d'assurer la plus grande glorification du Dieu restitué de l'Évangile. Elle vise à enseigner la gloire de Dieu à tous, dans le cadre d'une pensée optimiste qui rêve de ce que montrer aux hommes la puissance du livre, de la vérité redécouverte, l'emportera sur les illusions papistiques, comme disent les protestants. La violence agit rationnellement parce qu'elle participe de l'imaginaire d'un temps qui doit voir se constituer une société d'alliance dans la puissance même de cette vérité que l'Église romaine cache aux fidèles. Ahora pasamos a las simbólicas de las violencias hugonotes. Se trata más bien de pedagogías hugonotes. Las violencias hugonotes, tal como la iconoclasia, se pueden interpretar como violencias del razonamiento, que se impusieron o planificaron metódicamente para asegurarse de la glorificación del Dios del Evangelio. Tienden a exponer la gloria de Dios a todos, primero en la corriente de un optimismo que se ilusiona con que una vez que se haya enseñado la verdad evangélica,